Bonjour madame, j'ai dans la voiture 400 cartons avec de la vaisselle, un peu de tout. D'accord, alors au camion là. Au camion, et d'accord. On va trier ensemble. D'accord, bon, bonjour, merci. Voilà, des petits tas ici. Ça a trop ébréché aussi. Bon. Vous voyez, ouais, on ne pourra pas le revendre. Voilà. Ça fait du linge, vous prenez aussi le linge? Alors des vêtements? Regarde, oui. Oui. Alors, vous avez fait un petit tour dans le magasin? Non, mais je vais faire. Je vais faire avant de repartir. Ça vous donne une idée de ce qu'on récupère? Ben voilà, voilà. Ouais. Et à la limite, je crois que vous revendez aussi. Alors, besoin. Alors, de quelque chose? Oui. Donc c'est une boutique. Donc en fait, tout est à vendre ici. D'accord. Tout ce que vous allez voir est à vendre. Oh. Ça a commencé en 2016. Des porteurs, ce qu'on appelle des porteurs de projet, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment motivés pour monter un projet. On trouvait que dans ce coin-là, enfin dans le sud du département, il n'y avait pas de recyclerie et que c'était bien dommage parce qu'il y avait énormément de choses qui étaient encore utilisables. Et donc on trouvait que c'était à point nommé de s'installer ici en fait, car nous étant déjà des recycleurs convaincus, des récupérateurs et avec une fibre quand même un peu écologiste, on se disait que c'était dommage qu'il y ait tant de gaspillage et qu'il n'y ait pas de lieu de revente ici. Celui-là ? J'accompagne ma copine qui cherche plein de choses pour son appartement. Donc ça doit faire 2 ans que je viens régulièrement ici, dès qu'il manque un petit truc. Et moi c'est la première fois. Qu'est-ce qui vous intéresse ici? Au lieu d'aller dans les grands magasins, quand il manque un petit truc, c'est plus pratique de venir là et puis c'est moins cher. Et de donner une seconde vie à tous ces objets qu'on peut jeter. Parfois il y en a des neufs. Hein, ouais. Qui sont même pas utilisés. C'est plus qu'une mine d'or. On peut tomber sur plein de petits trésors. C'est bien, il y a des petits prix en plus pour les petits budgets, c'est bien. Du coup, nous, on fait nos achats en tissu pour retaper des canapés qu'on restaure. Nous aussi, on recycle. Vous n'hésitez pas à laver avant de... Ok, ça rétrécit un petit peu. Bah, ça peut bouger. D'accord. Normalement, non, mais bon, c'est mieux, c'est préférable. Ok. Il y a un côté social, c'est-à-dire qu'on prend le temps de discuter avec les clients. On ne revend pas cher pour que ce soit vraiment accessible à tous. On fait aussi du partenariat avec d'autres associations pour aider les gens en grande difficulté. Voilà, on leur donne ce dont ils ont besoin. Et voilà, on fait du réseau aussi. Comme beaucoup de gens viennent ici, on se permet de mettre les gens en contact tout simplement pour s'entraider, quoi. Je mets en rayon les vêtements qu'on a déjà trié à l'avance et je les mets en place en vérifiant si c'est en bon état. Donc ce qu'on ne peut pas mettre en rayon, ou on le garde en stock dans des cartons, ou alors on le donne à d'autres associations comme la Croix-Rouge ou le Relais. Sachant que les vêtements qui sont vraiment trop abîmés, on peut les donner au Relais aussi, qui va les transformer en isolant thermique. Vous voulez m'aider? Oui. Donc là, vous savez ce que je vais faire, enfin, ce qu'on est en train de faire. Vous êtes en train de sortir les trucs de Noël? Ouais, et je fais quoi avec? Trier. Ouais. Pourquoi je les trie? Pour s'organiser pour plus tard. Ouais, quand je les mets en rayon, je saurai exactement où les mettre. Vous voulez faire avec moi? Oui. Alors, donc là, on va faire par exemple, là, c'est quelqu'un qui nous l'a donné, qui nous a dit c'est de la décoration de Noël. Donc, on se dit, oh, il n'y a que de la... Non. Que de la guirlande. Mais en fait, finalement, quand on regarde en dessous... Il y a des guirlandes. Il y a beaucoup de travail parce que nous, on ne reçoit pas comme dans un magasin où tout est déjà dans des plastiques ou emballé avec le prix dessus. Ici, il faut qu'on fasse tout, en fait.
C'est-à-dire qu'on récupère les affaires, on les trie. Des fois, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sachets avec des boules de Noël de couleur. On fait des thèmes, voilà. Et après, il faut mettre les prix. Donc, ça demande beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est assez simple. Allez, je vous laisse faire. Ça, on va le tester. On va savoir si... Enfin, on va le brancher, savoir si ça fonctionne. Tout ce qu'on ne met pas en rayon tout de suite, comme les vêtements d'été, qu'on ne met pas en rayon en hiver. Donc là, il y a des cartons un peu partout. Dans l'armoire, c'est rempli de cartons. Ici aussi, ce sont des vêtements d'hiver qui vont aller en rayon et l'été va être remis ici. Ici, c'est toute la rentrée des classes, les cartables, les classeurs, parce que ça y est, la rentrée des classes est passée. Et c'est les seuls stocks qu'on a ici. Tout le reste est mis directement en rayon. On a un endroit sous le barnum, la tente qui est dehors, où on met le saisonnier, c'est-à-dire les choses qui durent que un temps. La première proposition qu'on a eue, c'est à la mairie de Corcoué. Il y avait ce bâtiment qui était à vendre et qu'on nous a mis à disposition via un achat de la communauté de communes. Donc, c'est pas nous qui avons choisi le lieu, c'est le lieu qui nous a choisi. Et on s'y est installé. On en est très content parce que c'est atypique comme bâtiment. C'était une minoterie, on fabriquait de la farine. Et donc, on a un de nos bénévoles qui a trouvé un nom, la mine au tri, écrit autrement. Donc, c'est une mine d'or, en fait, du tri. Il y a des gens qui viennent, des clients maintenant, mais qui ont travaillé dans cette minoterie et qui aiment bien revenir sur le lieu. Et on trouve ça important aussi de garder cette histoire à travers les outils qui restent dans le bâtiment, quoi. On est allé chercher du mobilier et des objets dans une maison à Corcoué. On décharge tout, on nettoie un peu et on range. Ça par exemple c'est un encrier, très très vieil encrier. Je trouve ça super joli. En CP j'avais un stylo et dès le CE1 c'était revenu à la plume parce que je savais un peu écrire. Et jusqu'en CM2 où là c'est devenu des stylos pour tout le monde. Beaucoup des objets comme ça qui arrivent. Ouais, toutes les semaines. On a des vieux objets. Il y a pas mal de brocanteurs qui viennent et qui quelquefois nous les prennent. Ce matin, j'ai reçu des très très vieux verres. On voit qu'ils sont bien faits à la main. Et ceux-là, je pense qu'ils sont du début du siècle précédent. 1900 à peu près, ouais. On voit que ça a été fait à la main, on voit les traces des doigts quand ça a tourné, et que les gravures ont été faites à la main aussi, parce que c'est complètement irrégulier, et c'est jamais deux fois la même chose. Et on voit aussi des bulles qui peuvent être assimilées à des défauts. C'est une fabrication complètement artisanale. Ça n'a rien d'industriel. Ça quoi ? On en reçoit régulièrement, mais on ne sait pas à quoi ils servent. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle des « c'est quoi ça ?». Ok. Vous avez un jeu sur Facebook, c'est ça ? Ouais. Toutes les semaines, on met en ligne un objet en photo et on demande à quoi ça sert. On vient de prendre quelques clichés là de l'objet mystère de la semaine qui a été décidé avec l'équipe. Donc là, je regarde les clichés, je vais recadrer et puis on va le poster sur les réseaux sociaux comme chaque début de semaine.
On est uniquement sur Facebook depuis la création de la recyclerie. Et on est suivi, on doit être en tout avec notre compte, pas loin des 2000 followers. Voilà, la photo est en ligne. Et en même temps, donc toutes les semaines, on a aussi les objets qui sont arrivés, que l'équipe a mis de côté, les petits coups de cœur. Hein. Donc on va le retrouver sur le site internet et puis on va le poster aussi toutes ces photos sur les réseaux sociaux. Ah, je crois que l'objet mystère a déjà été trouvé. Une minute après avoir posté, un lanceur de plateau de Baltrap. Eh ben, bravo, ça va très vite sur les réseaux sociaux. Bon, on l'essaie ? Ouais. On va voir ce que ça donne. Là, je suis en train de réparer une platine vinyle. Enfin, la réparer. Je change juste la courroie. Parce que c'est le problème des vieilles courroies caoutchouc. Au bout de 20 ans, 30 ans, ça se désagrège, ça se détend. Et là, la courroie, elle n'arrivait plus du tout à entraîner le plateau. Elle était complètement ramollie. Donc, je vais la tester. Sur les trottoirs des grands boulevards. Normalement, à la minoterie, on prend que des objets qui fonctionnent. Après, sur certains objets, c'est quand même dommage de les laisser partir aux D3E, aux déchets électroniques, alors qu'il ne suffit de pas grand-chose pour les réparer. En fait, ici, il y a pas mal de stocks de pièces, d'appareils en panne, et qu'on conserve volontairement pour pouvoir en réparer d'autres. Par exemple, avec deux télévisions, des fois, on peut en fabriquer une seule. Impeccable. Ça fonctionne. Moi, je suis dans l'association presque depuis le début, en fait, parce que à l'initiative de cette association, il y avait des copains à moi qui m'avaient demandé si ça m'intéressait. Et justement, pour la partie électronique et électrique, ils pensaient bien à moi également. Donc du coup, ça fait plaisir que j'ai rejoint l'équipe en tant que bénévole, puisque moi, j'ai un métier à côté, je suis régisseur son, et qui m'occupe déjà bien, mais qui me laisse un peu de temps libre pour venir ici bricoler les week-ends ou les journées où je finis pas trop tard. Voilà. Je suis salarié depuis 2 ans. Je m'occupe du dépôt, je fais des détournements, des fabrications, un peu d'agencement quand il y a besoin pour la vente, pour ici nos ateliers. Ben, vous voyez, là, c'était un plateau de table avec un piétement qui était très abîmé. Donc, plutôt que d'essayer de refaire le piétement, j'ai enlevé le plateau et j'ai récupéré un vieux pied de table de bistrot. Et donc, j'en ai fait cette table. Le détournement, c'est de prendre des objets qui ne sont pas forcément faits pour être ensemble, puis essayer de les regrouper pour en faire quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Oui, mais ouvre les deux yeux. Parce que si tu fermes un œil, il faut regarder avec un œil à l'intérieur. Et avec ton deuxième œil, il faut regarder. Si tu fermes ton œil, tu vois pas bien. D'accord ? Tu as vu ton œil ? Et là, tu peux changer. Mais il faut bien garder les yeux ouverts. Au début, c'est parce que j'avais une poussière dans l'œil, je me suis dit, tiens, avec mes lunettes, je ne vois rien. Donc quand j'enlève mes lunettes, je ne vois rien non plus. Donc il faudrait que je grossisse mon œil. Mais comment vous avez réalisé ça ?
Alors, la nuit, quand j'ai pas envie de dormir, il me vient des idées. Et puis, je prends des pièces. Et puis, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Et j'assemble les pièces au fur et à mesure. Alors, au début, ça ressemble pas forcément à l'idée que j'avais au début. Mais je me dis, tiens, telle pièce, ça pourrait faire ça, telle pièce, ça pourrait faire ça. Et j'ai pris une caméra, un écran de télé, une grosse loupe et un hublot de machine à laver. Tout ça s'est monté sur un tabouret. Et puis plein de pièces à droite à gauche que j'ai pris. Et comment vous l'avez appelé? Ben, je l'appelle mon œil. Comme ça, tu vois au-dessus, ça tourne. Et puis ça interpelle les gens. Et puis du coup, comme c'était pour regarder mon œil, je l'ai appelé mon œil. Et toi, si tu regardes, ben, c'est ton œil. Tu peux l'appeler mon œil aussi. Cette machine, vous l'avez fabriquée avec quoi comme matériaux? Des matériaux que vous avez achetés spécialement? Alors, 95% des matériaux viennent d'ici. C'est la recyclerie, je suis bénévole. Des fois, je trouve des matériaux. Donc, je les récupère ici. Les 5% qui restent, c'est des petites pièces que je suis obligé d'acheter parce que je ne les trouve pas. Mais sinon, tout vient de la recyclerie. C'est que du matériel recyclé. Voilà, c'est parfait. Down, down, down. C'est plus compliqué, hein. Voilà, si tu vas vite, t'es pas obligé d'aller vite, hein. On a des projets en cours, on accueille une fanfare toutes les semaines qui est faite avec des objets de récupération et encadrée par des professionnels. Et à terme, on aimerait accueillir un marché, un petit marché, parce qu'on est dans le bourg de Corcoué, donc ça nous paraît cohérent. Donc on proposerait des producteurs locaux, ça reste aussi dans notre démarche. Et puis, dans les étages de la minoterie, dans un avenir un peu plus lointain, on aimerait accueillir des artistes ou artisans qui utilisent les matériaux de récupération pour produire. Voilà. 1, 2, 3, 4.